Merde. C'est bon. Hey, yo les loufetous, ici Roche Kaivan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Black Flag. Oh, la tenue originale d'Edward Kenway. Ah, c'est vrai, on est rendu. Hop, on plonge directement dans l'histoire. Hé, hey. Où est-ce que tu vas, au marché? Non, je... Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux, et j'ai accepté. Salut, Mickaël! Comment ça, vivre chez eux? Tu vis ici, avec moi. Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça, de moi? De bons gages? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu vas être marié à un paysan toute ta vie? D'accord, Edward. Tu as raison. Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline! 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 Ah, c'est pour ça qu'Edouard est pas revenu après ses 2 ans de corsaire. Kid. Debout, Kenway. Sachez-la. Ouais, désolé. Il est parti ce matin sur le galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille crique. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Edouard, c'est un pirate, il est tout le temps sous. Il y a cette place pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es marié, vraiment? Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur, dis-moi si tu trouves quelque chose. Ah, ciboulette. Wow, kid, reviens. Kid, reviens. J'ai oublié de faire ça. Si je veux que le live fonctionne bien, faut que j'éteigne ça. Et voilà! Ça, faut que je change ça. Hop, comme ça. Ok. Là, je pense que ça va bien marcher. Quelque chose.
Ah oui? Il faut que tu vois ça. Allez, viens. Je te suis. Ah, les Selmaya. Drôle de structure, non? Venue d'un autre temps. Qui les a faites? Les Mayas? Ou les Aztèques? T'es doué pour les énigmes, Edward? Les devinettes, les mystères, tu vois le genre. Autant que n'importe qui, pourquoi? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Oh, j'en sais trop rien. Tu parles par énigme, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux? Je vais avoir besoin de ton aide. Concentre-toi, fais appel à tous tes sens. Regarde au-delà des ombres et des bruits, au cœur de la matière. Jusqu'à ce que tu perçois... Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits et entendre les formes. Tous les hommes et les femmes de cette terre ont une forme d'intuition tapis au plus profond de leur être. J'ai procédé sur... T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup? Quelques dizaines, je crois. Par ici! J'ai autre chose à te montrer. Nous. Est grande la map, c'est vrai? J'ai trouvé autre chose par ici. Je crois que ce secret sera bien plus à ton goût. Attends. Faut que je ramasse ce cache. Je pense que Monsieur Ducasse aimait les secrets. En effet, il regarde ça. Un escalier dont on connaît pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi? On va voir. Compte tenu de la réputation de Ducasse, je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture. Oh, chouette. Une vierge de fer ou une collection de brodequins. Ou une poire d'angoisse. Pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. Mais c'est la clé que t'as prise à Ducasse. En voilà une. Plus que quatre. Hell ouais. Yeah. Peut-être que ces quatre Templiers les ont. Tu vois ces noms ici? Ils ont été envoyés pour tuer ces quatre cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à La Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'ai encore neuf, pas quatre. Un trésor. Par où la sortie? Non, sérieux, Edouard?
le château. Tu t'en vas déjà? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Oh, qu'est-ce que tu dis? On est des pirates, kid. On prend sans demander. On fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça, ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi, alors? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit, Anasso. Ah, t'as senti ça, alors? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. Oh, oh. Attends, attendez-moi. Attendez-moi. Oh, je peux pas m'accrocher après le bateau. Je vais m'accrocher après le bateau. Oui. Il va me falloir de l'argent pour le chantier naval, capitaine. Plus vite j'aurai cet or, plus tôt nos navires régneront sur les mers. Combien? 500? Oh, acheté. Tu peux me prêter l'oreille un moment? On n'a pas d'endroit où les hommes peuvent boire et courir la gueuse. Si j'avais un peu d'or... J'ouvrirai une taverne comme celle de Bristol, avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots. Allez, les picailles. Tu fais la fierté du vieux loup de mer que je suis, capitaine, et t'en tireras profit, je te le jure. Que le diable m'emporte, s'il n'y a pas mal. Capitaine Galloway, t'es au bon endroit. Je vais pas tourner autour du pot, capitaine. Il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique. Je te revendrai ça. Et une échoppe te fournirait bien des marchandises utiles. Combien j'ai-tu assez? J'ai-tu assez? 700? Ouais! Oh yeah! Next! Qu'est-ce que tu veux, toi? Mon capitaine doit prendre soin de ses hommes, non? Les marins sont un peu mécontents qu'il n'y ait pas de femmes pour les réconforter à bord. Je sais où en trouver, mais leur place n'est pas sur un bateau. Oh non, qu'est-ce que c'est? C'est cher. Toi. Dis, capitaine, si on faisait un grand feu de joie sur la plage... Salut, Lily. Les gars seraient plus heureux s'ils avaient un endroit où s'amuser, se détendre. Tu me suis? 7000. Ah, là, c'est plus à mes cordes. Allez, oh! Oh. Bah. Allez, monte à bord du jackdaw. Capitaine est à la barre. Oui. Un tas de cartes marines et tout un paquet de registres. Aux quatre coins du village. On les a tous rangés dans la cabine du capitaine, à bord du jackdaw. Il y a de bonnes choses. Des cartes marines et des registres. Ça pourra nous être utile, si on décide de se constituer une flotte. C'est ce que je me suis dit, capitaine. Jette-y un œil et dis-moi ce que t'en penses. La cabine du capitaine. Edward Kenway. La flotte de Kenway. Ouh. Ouh. Le Plymouth.
le HMS Royal. Mais pourquoi j'ai autant de bateaux? Attends. Oui, combat naval. Hop. On va être l'Atlantique. Et voilà, destination sûre. On va libérer cette destination-là aussi. Hop. Hop. On va en mettre deux. Le dévastateur. On va y envoyer le dévastateur. Aïe aïe aïe. Une prime. Haha, victorieux. Hi, hi. Quoi? Allons-y. C'est amusant ce petit jeu là. Allez, on va envoyer des gens chez moi. Allez, on envoie des gens à Montréal. À l'hospice de Québec, oh non. C'est à Québec. Allons-y. On va réparer le dévastateur, bien sûr. Allez. Ça c'est le château Frontenac dans le vieux port. Ok, il y a rien que le HM. On va envoyer le HMS Royal, vieux partenaire.
On va envoyer le Wanda. L'expédition perdue. On va envoyer le Trinidad. On va rappeler toutes les missions du Québec. La Scarlatine. Ah! On peut envoyer le Lotus Eater. On va tout envoyer nos bateaux. Allez! Le Lanfranco. Le Plymouth. Oh non, j'ai pas réparé le Plymouth! Allez, on envoie ça à Boston. Allez, va pour Boston. Oh, je peux envoyer mon chimineur. On va envoyer le Neptune. Et finalement, on envoie un autre Trinidad. C'est parti! Hop, on quitte. Quel est notre cap, capitaine? C'est une belle journée pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais. Et si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un gallois, Adé. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Master Kid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de me montrer, Bertolum. C'est plutôt loin d'ici, sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous? J'en sais rien. Mais ce Kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. Il ferait mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Toulouse. Ah, il y a une plantation là. Il faut aller. Où est-ce qu'il faut aller? Ah oui, c'est loin! Ah oui, ok. Eh bien les amis, on va s'amuser. On va aller tout là-bas. What? Ok. Le bateau qui dépoffe. Un navire approche. Le navire, capitaine. Survivant, capitaine. Un survivant du naufrage. Ah, trop loin. Tant pis. Ouh, je t'avais pas vu, toi. Laisse faire.
Non, je ne vais pas m'attaquer à toi. Je tiens un peu à la vie. Profitez de ce moment pour relaxer. Écoutez le bruit des vagues. Écoutez le bruit des chansons de pirates. Ou juste... Si le jeu arrêterait de laguer, ça irait bien aussi. Qu'on aille chercher le trésor qu'il y a ici. Ah, c'est un peu chute, hein? J'ai de la grande visite. Oh non, ça sert à chaque fois. Je peux pas te flatter, là. Je peux pas flatter les siens. Je peux pas y être occupé. Et voilà. Oh, on commence à avoir un peu de bleu sur notre Jack d'eau. Qu'est-ce qu'on a ici? Frégate. Je pense sur les cibles. Ne veux jamais te texter au volant. Une cible parfaite. En combat en plus? C'est juste parfait. Je veux le schooner. Sur tribord, capitaine! Il y a une belle cargaison ici, capitaine! Je veux le schooner.
Ça doit rap, papa. Donc, il y en a un qui vient de se suicider. Merde. Envoyé à la flotte de Kenway. On a récupéré des choses qui permettront d'améliorer le navire. Trop loin. Allez, on va prendre ce vent. C'est que des canonnières, ouais. Ici. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, non. Lunar, oui. Salut Michael, bon retour. Easy. Oui. C'est bien bon. Viens dévider. Merde, qu'est-ce qui a déconnecté? Qu'est-ce qui a déconnecté? Bon, je sais pas. Ah oui, un shooter. Je vous ai rien fait. Si on touche là, il ira par le fond. Canon paré, capitaine. Mort.
On est dans la merde. Faut fuir. Oh. Mal ça. Ok, on est clairement pas au niveau. Oh putain. Ah, salut la baleine. Bon, partez la baleine. Survécu au fil de la corde, on s'est fait totalement défoncer, on s'est fait totalement détruire parce que le capitaine est totalement stupide et incompétent. Rien n'est vrai. Le slogan des assassins. Assassini. Ouh, un coffre. Allez hop, 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 hop.
savent sans doute tout ça. C'était un nommé Walpole, n'est-ce pas? Un anglais? Oui. Il s'est joué de nous depuis le début. Il a trahi notre confiance. Comment aurions-nous pu le savoir? Même Atabaï s'est laissé prendre. Oh! Oh, ça la gueule, tu fais mal! Ah! Ouh! Oh, j'adore. Ok, bye. Ah, j'attends trop faire ça. Oh non! Ouh. Ah! Oh, celle-là, tu fais mal.
Dieu, non. Non. Non, j'ai été repéré. Poignée. Tula, Kutuus, Kubukin Tiguno, Kuntul Winig Su, Kukonikel Mashake, Bukahu Masuktal, Yangwaltileti. She? Ah, je l'ai enfin tiré. Oh, juste à temps. Je recommence encore ici. Non, personne ne me voit. Je suis invisible. Je suis un fantôme. Bon, juste. Je voulais pas lancer la bombe. Non, tu ne vois pas, je suis un fantôme. Il faut y aller.
La violence. Là, tu vois personne. Dieu, Kid. Je sais quand tu joues but. Je le sens. Capitaine Kenway. Où est l'assassin, Duncan Walpole? Mort et enterré. Après avoir essayé de me tuer. Peu nous importe qu'il ait rendu l'âme. Mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison. Pourquoi? M'enrichir, comme toujours. Ces paroles sont censées me consoler? Tu as causé la mort de nos frères et sœurs de la Havane. Il possède le sens, Mentor. James me dit que tu as traité avec les Templiers de Cuba. As-tu vu celui qu'on appelle le Sage? Aye. Si tu revoyais son visage, saurais-tu le reconnaître? Ouais, je crois. J'aimerais en être certain. Non, ne dis rien. Suis-moi. Oh, je suis quasiment eu, il manque un coffre. Papi. Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, Kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas? Atabaï. Un assassin. Mon mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission. Seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est la seule certitude. Tout est permis, ça me plaît, je l'avoue. Libre de penser comme je le veux, de faire ce qui me plaît. Tu peux répéter... Ah ! Vous que les Templiers traquent depuis tout ce temps, hein? C'était nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Ils étaient aux abois, Edward. Ah ben, bye bye.
C'est vous que les Templiers traquent depuis tout ce temps, hein? C'était nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Ils étaient aux abois, Edward. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'avantage. Le mécanisme de la porte doit être endommagé. On va trouver un autre chemin. Ah ouais. Saute la quoi ? Allons-y. Ah ! Il te reste de l'air dans les poumons ? Assez pour te maudire, kid. Juste répondre à ça, c'est important. D'en valoir le coup. Un trésor. Ouais. J'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin en vaudra la peine. Ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu dis ? Ce que tu t'apprêtes à découvrir risque de te faire tourner la tête. J'espère que tu résisteras au choc. Je compte pas te décevoir. Alors c'est ça, le grand trésor que ton mentor voulait que je voie. En tout cas, ça ne ressemble pas à celui qu'il s'appelait le sage. Prends ton mal en passant. Il nous reste encore une énigme à résoudre. Non, l'autre part. Les statues ressemblent à celles qu'on a déjà vues. Mais des dessins y sont gravés. Il y a aussi des dessins gravés sur le sol, mais ils sont différents. Les animaux des statues et ceux gravés au sol sont différents. Tu vois, Edward ? Ouais, d'un côté les prédateurs, de l'autre les proies. Reste à savoir quelle proie il faut associer à quel prédateur. C'est ça, voilà le lien. Tu dois associer chaque prédateur à sa proie. Viens m'aider, s'il te plaît. Et voilà, easy peasy. Il faut le jacuzzi.
plus sage. Mais cette chose doit avoir des centaines d'années. Plus encore. T'es sûr que c'est bien lui? Ouais. Ses yeux sont inimitables. Et les Templiers t'ont dit pourquoi ils voulaient ce sage? Ils ont mis quelques gouttes de son sang dans un cube en verre. Comme celui-ci? Ouais. Il voulait aussi l'interroger sur l'observatoire, mais il s'est échappé. On peut partir. Le secret du sage. Mais qu'est-ce que tu m'as montré là-bas? Toulou. Jim! Silence! La statue du temple. Était-ce l'homme que tu as vu à la Havane? Son portrait craché, oui. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé, et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote? Tout est ta faute, Capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont comptées droit sur nous. Les agents de deux empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, Mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur il attache à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention et tu feras moins de victimes. Eh bien non, les amis. Parce que juste pour vous fâcher, on s'arrête ici. C'était Hrushka Ivanovitch qui vous dit. À la prochaine!